Ok, donc Voilà. première question. Oui. Pourquoi est-ce que vous dites deux fois sound quand vous dites votre prénom? Alors, je m'appelle Pacific Sound, c'est-à-dire que les gens disent que je dis deux fois mon prénom, mais c'est pas vrai, je dis une fois, et ils entendent deux fois, mais je dis une fois. Mais vous ne vous êtes pas remis en question après toutes ces demandes? Après quelle demande? Bah, pourquoi vous dites deux fois sound? Non, en fait, C'est-à-dire, alors je reprends, en fait. peut-être je me suis mal fait comprendre alors. Alors, quand je dis Pacific Sound, les gens entendent deux fois Pacific Sound, donc ils entendent Pacific Sound Sounds, ils entendent une sorte de raisonnement après, donc ils disent que c'est Pacific Sound Sounds. Mais Pourtant, moi, quand moi je pense. peut-être que c'est juste sur une vidéo, mais sur votre bande-annonce, on entend bien ça ensemble. Oui, ça veut dire que les fans s'arrêtent sur ça, mais personnellement, moi j'ai dit Pacific Sounds en rajoutant un S, et le S, ils l'ont interprété comme étant comment dire? Ils l'ont interprété comme étant deux fois Une Sounds, mais c'est extension pas vrai. du swag, exactement. Oui, C'est ça? mais regardez, donc je dis Pacific Sound 3003 et Pacific Sounds 3003. En fait, Comme ça. c'est le S que je dis. Que les fans disent que c'est une prolongation, mais pas du coup, c'est Pacific Sounds. Ah. Voilà. Ok. Deuxième question. Vous avez un amour particulier envers votre Dieu? Oh là là, oh là là, oh là là. Alors, Et du coup, aïe, aïe, aïe. après cela, est-ce que vous envisagez une relation avec une femme? Ok, très bien. Excusez-moi, Pas de parce que le problème, souci. c'est que dès que ça arrive sur ce sujet-là, j'évite l'enregistrement parce que ça ne doit pas aller sur Oui, il n'y a YouTube. pas de souci. Ouais, la partie, vous avez compris, ne doit pas aller sur YouTube. Oui, Alors, je sais, je sais. c'est pas que je n'envisage pas de relation avec des femmes, puisque de toute façon, l'homme a été fait pour être attiré à la femme. De toute façon, Ouais, exactement. l'attirance du mâle à la femme est beaucoup plus forte que l'attirance femelle à l'homme. Donc en fait, oui, l'attirance mâle-femelle existe toujours chez moi. Mais elle n'existe pas de la même manière que je vais que un homme entre guillemets normal se lève le matin et puis se dit ah j'ai pas de femme aïe 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 ah moi j'ai pas de femme oh là là ah, ça me brûle il faut que j'aille voir une femme. C'est-à-dire que ce désir fort et puissant là qu'il y a chez l'homme je l'ai toujours mais comme c'est terni un par ma passion de la musique plus deux mon amour pour mon Dieu donc ce qui fait Ouais. que c'est pas que je mets la femme de côté c'est que ma relation avec la femme n'arrive pas vraiment à se créer dans la mesure où j'ai beaucoup d'éléments qui justifient que j'arrive à mettre la femme de côté, même si j'ai de l'attirance. Donc oui, je suis toujours attiré à la femme, mais mon planning, mes habitudes font que j'arrive pas à avoir de femme de mon côté, voilà. Hein. Alors, parlons de votre planning. N'est-ce pas trop difficile de rester chez soi pour répondre aux demandes des clients toute la journée? Ou Alors, est-ce que vous avez d'autres activités dans la journée, des trucs comme à ça? ce jour, Par je exemple, le vis. karting, Oui, la bien. natation. Alors, à ce jour, je vis de mes fans, c'est-à-dire que les fans viennent toute la journée et puis ils font des dons comme vous, là. Ils payent, 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 comme ça. Et je vis comme ça. Donc, je fais des courses comme ça. Lorsqu'il me manque de l'argent, je paye les factures avec. Je vis comme ça. Alors, est-ce que j'ai d'autres activités à côté? Oui. Donc, je fais de la randonnée, de la marche, de la sortie. Je sors pour les courses. Je loue une voiture pour faire mes courses. Donc, la main de mon ami d'enfance qui a des voitures. Et puis, sans quoi, j'ai les activités spirituelles. Que je me rends, mais que je n'ai pas l'autorisation de filmer mes activités spirituelles. Voilà. Mais pourtant, vous aviez dit que vous aviez été excommunié, si je ne me trompe pas. Ben oui, mais c'est pas parce que j'étais excommunié que je n'ai plus le droit de me rendre aux endroits cultuels. Je peux toujours m'y rendre. Ça, l'excommunication n'empêche pas de se rendre au culte. Ah, très bien. Ok. Vous êtes sur la France métropolitaine ou pas? Alors, en fait, je fais la navette Je fais la navette en fonction des demandes de la maison de disques. D'accord. Combien avez-vous de demandes de maison de disques, c'est-à-dire chez qui vous avez-vous signé? Alors, au moment où je vous parle, au moment où je vous parle, j'ai signé Universal, mais les fans me disent que c'est un faux contrat. Alors, ils me disent que c'est un faux contrat, pourquoi? Parce que comme je suis toujours dans le même décor, toujours aux Antilles, toujours dans ma maison familiale, que j'ai hérité, que mon décor n'a pas changé, qu'au niveau matériel, j'ai pas grand-chose, donc les fans me disent que, eh bien, que c'est un faux contrat. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez une preuve pour di dissiper ces faux ces doutes?
Alors, le contrat que j'ai reçu, je n'ai pas reçu autorisation de la personne qui me l'a donné de le diffuser. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne le montre pas. Ah, dommage. Et vous pensez que vous allez bientôt publier des albums chez Universal? Alors, c'est pas que je pense pas que je vais publier des albums ou pas, c'est juste que, comme la maison de disques est maître de ses artistes et puis décide pour elle et qu'elle finance ses artistes, je considère que c'est à la maison de disques elle-même de me dire ce que la maison de disques fera de moi. Ce n'est pas à moi de m'imposer chez la maison de disques. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez des idées de couverture pour votre album si un jour la maison de disques vous demande de faire un album? Vu le nombre d'images que j'ai, le nombre de photos que j'ai, que les gens me volent mes images et puis le mettre à droite à gauche, c'est loin de ton problème. Hein. Dernière question, si on a... Il reste combien de temps? Une minute. Une minute. Alors, peut-être la dernière question. Où cherchez-vous l'inspiration pour tous ces montages? Parce que, franchement, faut l'avouer, ils sont vraiment fascinants. C'est-à-dire, tout le monde pourrait pas les faire. C'est vraiment quelque chose de réfléchi, travaillé, voilà quoi. Je vous remercie pour votre intérêt. Alors, d'où est-ce que ça me vient? Un, de mon amour pour Jéhovah. Deux, de mes talents artistiques. Et trois, de la Bible. Donc en fait, je vais dire que le un, mon amour pour Jéhovah fait que je mets beaucoup de cœur et puis d'amour. Le deux, j'ai dit quoi? J'ai dit que un, c'était l'amour. Deux, c'était quoi? Oh là. Et puis le 3, c'était la Bible. La Bible, hein. le 3, j'ai dit que c'était la Bible. Donc, si je résume, dans la Bible, vous avez des idées pour faire des choses graphiques. Oui. Par exemple, dans la Révélation, il parle beaucoup de diamants, de saphir, de rubis, de calcédoine. Et bien, tout ça, je me dis, je vais faire comme ça. Je prends des rubis, je prends des diamants, je prends des saphirs, je prends tout ça. Et puis, je mélange avec... mon talent artistique, mon don, voilà, et ben voilà, j'ai retrouvé. Donc, un, mon amour pour Jéhovah, deux, mes talents artistiques, et puis trois, la Bible. Donc voilà, je combine tout et ça donne ça. Voilà. D'accord. Est-ce que vous connaissez Sylvain Pierre Durif? Non, je connais pas. C'est une personne qui, lui, est une personne très, très intéressée par le spiritualisme. Après, je peux pas vous en dire plus là parce que je perdrai du temps. Mais si vous avez le temps ou l'occasion d'aller faire un tour sur sa chaîne, je vous inviterai à aller voir. C'est vraiment très intéressant. Très intéressant. D'accord, on va voir. Voilà, allez hop, voilà. J'arrête l'enregistrement. Ça me fait 8 minutes, j'ai rajouté 2 minutes, donc vous avez écopé de 2 minutes, c'est bon. Allez hop, okay. À bientôt. 270, au revoir.